Bouba, tu es le frère de Nantene. C'est pourquoi je souhaite que tu lui parles. À quel sujet? Je souhaite épouser Nantene. Ne penses-tu pas que tu places la charrue avant les bœufs? Et comment cela? Tu dois t'entendre avec elle d'abord, avant de me contacter. C'est ce que j'ai fait, mais elle ne veut rien comprendre. Elle m'a presque chassé. Que veux-tu que je fasse alors? Que tu lui parles de l'importance du mariage pour une femme. Ta démarche est surprenante, mais noble. Pourquoi penses-tu qu'elle m'écoutera? Parce que tu es son frère. Elle t'écoutera mieux. Le mariage est important. Car, au-delà des deux personnes, c'est surtout l'union des deux familles pour le meilleur et le pire. C'est exactement ce que je pense. Si tu penses ainsi, je ferai ce que tu me demandes. Merci pour cette réponse qui t'honore. Pour ne rien te cacher, elle a chassé ici son dernier fiancé avec un pilon. Depuis, aucun homme n'a demandé sa main. Les mauvais djinns suivent certaines femmes et s'opposent à leur mariage. Cela est vrai. Si elle m'accepte, je ferai le tour des marabouts et des féticheurs pour la soigner. Conjuguons donc nos efforts afin qu'elle accepte. Merci, Bouba. Dessous d'arrêter sa liaison avec Karim. Sanata, tu fais des scènes de jalousie aux filles qui fréquentent Karim. Maintenant, tu accuses Dessous. Non, tu te trompes. Je vais plutôt t'éviter une mauvaise surprise, c'est tout. Karim ne peut pas faire une telle chose. En tout cas, ne sois pas surprise si elle contracte une grossesse. Mais Sanata, comment ça? Parce qu'elle est tout simplement naïve. Donc, une proie facile. Dessous est naïve. Merci pour tes conseils, Sanata. Je ferai attention. D'accord. Hein? Depuis quand Dessous commence à fréquenter Karim? Daïda. Et Dessous? Celle-là, elle va me tuer. Nantene. Oui. Je souhaite m'entretenir avec toi. Là. Prends place. Merci. Ok. Je t'écoute. Nantene. Oui. Je suis ton frère. Et je dois te dire le langage de la vérité. Quelle vérité veux-tu me dire? Un certain Adama veut t'épouser. Et je souhaite que tu donnes ton accord. Bouba, ne penses-tu pas que tu exagères? Pourquoi veux-tu que je me marie avec un inconnu? Accepte. Et tu auras une grande opportunité de le connaître.
et de lui faire des enfants. Tu n'as pas le droit de parler de mon intimité. Ne me parle pas de faire des enfants. Je ne dis rien d'interdit. Le but du mariage est de fonder une famille avec les enfants, fruit de l'union. Si tu n'as rien d'important à me dire, je m'en vais. Non, Nantene, le mariage est important. Car, au-delà de vos deux personnes, c'est surtout l'union des deux familles pour le meilleur et le pire. Comme toi, je suis ici chez mes parents. Je dors et je me réveille à ma guise. Alors, pourquoi veux-tu que je me marie si je ne le souhaite pas? Ne complique pas la situation. Adama rêve d'avoir une femme comme toi. Accepte-le et il t'épousera. Je crois que nous tournons en rond. Non, c'est toi qui tournes en rond. Laisse-moi te dire une chose. Que tu le veuilles ou non, tu seras sa femme. Ne pense surtout pas que tu continueras à nous pourrir la vie ici. Ah, c'est ce que nous verrons. Dessous? Oui. Karim est-il là? Non, il est sorti. Ah, d'accord. Et Mamadi? Hein? Peux-tu me prêter 5 000 francs? Ah, te prêter 5 000 francs? Dis plutôt, Mamadi, donne-moi 5 000 francs. Sinon, si je te prête 5 000 francs, tu ne vas plus les rembourser. Alors, Mamadi, donne-moi 5 000 francs. Ah là, c'est mieux. Merci. Et pas de quoi. Hé, Dessous? Oui? Si tu tombes enceinte maintenant, que ferais-tu? Je ne suis pas mariée. Comment vais-je tomber enceinte? Tu penses que les gens ne sont pas au courant de ta liaison secrète avec Karim? Tu te trompes. Je n'ai aucune liaison amoureuse avec Karim. Qui te l'a dit? Samata. Elle pense que Karim abusera de toi avant de t'abandonner. Samata est vraiment experte dans la diffamation. Rentres-tu oui ou non dans la chambre de Karim? Je rentre. Mais... il n'y a pas de mais. Si tu n'arrêtes pas, tu tomberas enceinte et tu le regretteras toute ta vie. Madame. Oui? S'il te plaît, je souhaite m'entretenir avec toi. À quel sujet? Je ne te connais même pas. Je vais te mettre en garde. S'il te plaît, renonce à ton projet de mariage avec Nantene. Toutes les religions interdisent de dire des propos contre le mariage. Je le fais pour ton bien. J'étais son fiancé. Mais crois-moi, Nantene n'est pas une femme à marier. La femme vertueuse, parfaite est rare. Que lui reproches-tu? Elle m'a poursuivi juste dans la rue avec un pilon. Un pilon? Et pourquoi? Hey, pour fracasser ma tête et mettre fin à notre fiançaille. Cela est inquiétant. Je t'assure que Nantene n'est pas normale. Elle déteste les hommes. Soit elle a un mauvais djinn ou elle est homosexuelle. Les mauvais djinns suivent certaines femmes et s'opposent à leur mariage. Si elle m'accepte, je ferai le tour des marabouts et des féticheurs et elle n'aura plus de problème. Cet amour aveugle risque de te conduire à ta perte. Et sache aussi que l'amour fait des miracles. Nantene sera ma femme. S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. D'accord.
Merci. Sanata. Oui? S'il te plaît, je souhaite m'entretenir avec toi. À quel sujet? Qu'as-tu dit à Saran? Eh bien, je ne fais que dire la vérité. Et c'est pour ton propre bien. Dis plutôt que tu veux me mettre en mésentente avec Saran. Je tente seulement de te mettre à l'abri des mauvaises surprises, c'est tout. Sanata, tu fais des scènes de jalousie aux filles qui fréquentent Karim. Maintenant, tu m'accuses. Je ne veux pas que Karim abuse de toi et t'abandonne, c'est tout. Sanata, laisse-moi tranquille. Ta vie est faite de mensonges et de diffamations. Hey, hey! Ta vie est faite aussi de mensonges et de traîtrises. Crois-tu que les gens ignorent que tu es amoureuse de Karim? Hypocrite. Moi? Toi? Espèce de sournoise. Approche et tu recevras une bonne correction. Sanata, Doussou, n'avez-vous pas honte de vous battre? Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ça! Ça veut dire quoi même? Vous n'avez pas honte de vous battre pour Karim? Eh, va là-bas, dé. Ce n'est que le début des hostilités. C'est comme tu veux, Doussou. Si tu allumes le feu, attends-toi à la flamme. Eh, va là-bas. Ça veut dire quoi? Bonjour. Bonjour. Je souhaite m'entretenir avec toi. Eh mon Dieu, pourquoi ne me fiches-tu pas la paix? Je souhaite t'aider, car je t'aime. Moi, je ne t'aime pas. Alors, laisse-moi tranquille. Je sais que tu dis cela malgré toi. C'est ce que tu crois. Bien sûr, les mauvais djinns te suivent et s'opposent à tes liaisons intimes. Adama, si tu sais tout cela, pourquoi me fréquentes-tu? Parce que si tu m'acceptes, je ferai le tour des marabouts et des féticheurs et tu n'auras plus de problème. Je suis ici chez mes parents. Ce n'est pas à toi de venir me dire ce que je dois faire ou pas. Alors, pourquoi veux-tu que je me marie si je n'en ai pas envie? Nantene, laisse-moi te dire l'importance du mariage pour une femme. Attends-moi. Mais avant, laisse-moi te montrer comment je cherche à coups de hache un obsédé sexuel qui marcelle. Que veux-tu faire avec cette hache? Si tu n'attends pas la voix de la raison, tu attendras celle de la déraison. Mais même si je dois faire la prison. Non! Ne me frappe pas! Si je te revois encore ici, je fais un malheur. Tu vas bien? Ça va. Quand maman? Comment fais-tu? Isoli. Ça va? Ça va. On y va. Ça va. Ok. Merci. Ça va bien. Ma copine. Oui. Quelles sont les nouvelles? Il y a un homme qui m'a suivi. Il me dévorait du regard. Mais tu es bien habillée. C'est normal que les hommes te suivent. Les hommes, s'ils déclarent leur amour seulement, c'est fini. Certains hommes sont collants et d'autres font même de l'harcèlement. Ma copine, pour qu'ils fichent le camp,
il faut ouvrir leurs yeux à la lumière. Ou au rayon ardent du soleil au zénith. Bonjour. Bonjour. Fatim, oui? Je vais pour une course. Okay. Si ça t'a bien, dis-lui de bien surveiller la maison. Okay. Oui. Allez, bonne journée. Eh, hey, les lumières de Bamako, vous êtes belles, charmantes, mais surtout dangereuses. Mais si tu veux être avec les lumières de Bamako, il faut faire extrêmement attention. Ah, il est vraiment agréable de vous voir dans la joie et la bonne humeur. Merci Karim. Karim, tu m'as déclaré ton amour et je t'ai promis une réponse. Comme tu es déjà là, ma réponse sera publique. Ah, j'espère de tout mon cœur que tu acceptes. Mon cher, je suis vraiment désolée. J'aime une femme et nous sommes très heureuses ensemble. Quoi? Une femme? Notre société n'est pas prête à accepter les homosexuels. Pourquoi fais-tu cela? C'est notre choix. Un choix lourd de conséquences. Fatim, pourquoi ne dites-vous rien? Que veux-tu que je dise? Qu'il faut accepter l'autre avec sa différence. Je ferais mieux de partir. Vous méritez bien votre réputation des femmes les plus dangereuses de Bamako. Mais Adja, tu sais très bien que tu n'es pas homosexuel. Pourquoi as-tu dit cela? Je t'ai dit que certains hommes sont collants et d'autres font même de l'harcèlement. S'ils persistent, je sors le grand jeu. Ah, la lumière de Bamako! Nakalou, tu es la femme de mon frère Bouba et ma belle-sœur. Ta belle-sœur? Je suis belle, mais je ne suis pas sûre. Si je suis ta sœur, car tu ne me donnes pas assez d'argent. Épouse-moi et tu n'auras plus aucun souci d'argent. Je suis déjà ta femme. Que veux-tu de plus? Tu es l'épouse de mon frère Bouba et non la mienne. Que veux-tu dire au Gis? Que tu quittes mon frère Bouba et je t'épouse. Django, tu rêves certainement debout pour me dire une telle chose. Je suis au sérieux. Donne ton accord et j'aiderai mon frère à épouser une autre femme de son choix. Comme c'est ainsi, demande l'avis de ton frère. Ensuite, je te donne ma réponse. Aslan, tu n'es pas mon mari. Pourquoi tu me demandes? Est-ce que tu sais que les vendeurs de produits pharmaceutiques de la rue sont des véritables dangers publics? Aslan, pourquoi continues-tu de me provoquer? Parce que tu vends des produits pharmaceutiques de la rue. Je comprends. Tu es simplement jalouse de mes bénéfices dans ce commerce. Je veux simplement que tu arrêtes de vendre des produits dangereux de qualité et d'origine douteuse. Moi, je n'oblige personne à acheter mes produits. Mais si les clients viennent, je vends mes produits. Alors, tu es semblable à une tueuse en série qui profite de l'ignorance de ses semblables pour sévir.
C'est toi qui es semblable à une sorcière qui, avec ses dents de vipère, agresse les gens par jalousie, oui? Ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. Mais t'inquiète. Un jour, tu seras prise et tu répondras de tes agissements devant la loi. C'est moi, Asta, qui te le dis. Et après? Regarde-moi celle-là, oui. Bouba, tu sais, tu es mon frère. À ce titre, nous nous devons aide et assistance. Depuis notre enfance, je marche sur cette voie. J'ai toujours été à tes côtés, chaque fois que tu avais besoin d'aide. Ok, j'ai besoin de ton aide. Que veux-tu que je fasse? Écoute, Bouba, je veux que tu libères ta femme Nakani afin que je l'épouse. Si tu n'étais pas mon frère, tu avalerais ta langue pour de tels propos. Es-tu devenu fou? Bouba, je suis au sérieux. Donne ton accord et je t'aiderai à épouser une autre femme de ton choix. Pourquoi veux-tu me faire une telle chose? Tu sais, Bouba, tous les féticheurs et marabouts que je consulte désignent Nakani comme la femme qui m'apportera amour, bonheur et prospérité. Ce sujet mérite réflexion. Ma réflexion est terminée. Je suis à la phase de décision. Accepte mon frère. Aide-moi. Barou, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? La joie. Accompagne-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais très bien que tu ne m'as pas donné le prix de condiment aujourd'hui. Asta, depuis mon départ à la retraite anticipée, décidé par le gouvernement, sur recommandation du Fonds monétaire international, je me débrouille pour avoir le pain quotidien. Oui, nous avons des difficultés à joindre les deux bouts. Et alors? Tout cela est terminé. Que veux-tu dire? Bientôt, nous serons très riches. Explique-moi. J'ai peur que ma fortune aille directement dans le patrimoine de la banque après mon décès, car je suis atteint d'une maladie incurable et je n'ai pas de famille. Barou, je n'ai rien compris du tout. C'est pas fini, attends. Si vous lisez actuellement ce message, c'est parce que j'ai demandé à Dieu de m'aider à entrer en contact avec une personne responsable à qui je ferai don de tout mon héritage. Asta, tu comprends? Je suis l'heureux élu. Eh, Dieu merci. Mais qui t'a donné son héritage? Je ne le connais pas. J'ai reçu le message par Internet. Asta, Dieu ne dort pas. Nous sommes riches. Dieu, dans sa miséricorde, fait souvent des miracles. Je dois envoyer une somme au notaire qui s'occupe de l'affaire et partir à Cotonou pour signer le document. Mais, Barou, où trouveras-tu cet argent? Ne t'en fais pas, Dieu est grand. Ok. Adia. Oui. Je sors. Ah, Django. Oui, chérie. Peux-tu me donner 20 000 francs pour résoudre un problème? Vous, les femmes, là. ma chérie.
Merci. Kaja, depuis que nous vivons ensemble, as-tu un jour douté de mon amour à ton égard? Non, jamais. Merci, je t'aime et je t'aimerai toujours. Moi aussi je t'aime et je t'aimerai toujours. J'espère passer le reste de ma vie avec toi dans l'entente et la paix. Tes cadeaux et tes propos font de moi une femme comblée. Vraiment merci. Alors accorde-moi une faveur, chérie. C'est accordé d'avance. Que veux-tu que je fasse? Permets-moi d'épouser Nakani, la femme de mon frère Bouba. Comment? Es-tu devenu fou? Je te jure que je ne suis pas fou. Qu'il divorce sa femme seulement afin que je l'épouse. Je fais certainement un cauchemar. Je suis ta femme. Qu'est-ce que Nakani a de plus que moi? Donne ton accord seulement. Nous aurons plus de bonheur. Nakani est la femme de ton frère Bouba, ta belle-sœur. Pourquoi veux-tu l'épouser? Tu sais, Kaja, tous les féticheurs et marabouts que je consulte la désignent comme la femme qui m'apportera amour, bonheur et prospérité. J'espère que les féticheurs et les marabouts t'ont dit comment résoudre les conséquences fâcheuses de cette décision. Tiens ton argent. Je n'en veux plus. Ah bon? Oui. Tu pars au marché? Je pars au marché. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Hein? Dis-moi, si je suis millionnaire, quels rêves souhaiterais-tu voir réaliser? Baroudé, ne me casse pas les oreilles avec tes histoires à dormir debout. J'ai affaire. Attends. Bientôt, je serai très riche. Hein? C'est ce que tu me dis chaque fois que tu commences une affaire. Je te jure que cette fois, c'est sérieux. J'hériterai bientôt d'une fortune. Qui t'a donné son héritage? Je ne le connais pas. J'ai reçu le message par internet. Oumou, pour moi, nous sommes riches en millions. Hé, hey, Barou, je ne demande qu'à te croire. Ne doute pas. C'est vraiment sérieux. Voici la preuve. Je dois partir à Cotonou pour signer les documents. Une nouvelle vie commencera bientôt pour nous. Hé, hey, Barou, nous irons vivre dans notre propre maison. Nous porterons des habits de luxe et roulerons désormais en voiture. Voilà. D'accord, on va se reprendre. Bonjour, ça va, Django? Oui, ça va, ça va. J'ai vraiment besoin de votre aide. Tu sais très bien que tu peux toujours compter sur moi. Que veux-tu de moi? Que tu parles à mon frère Bouba afin qu'il divorce sa femme pour que je l'épouse. Django, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi dis-tu une telle chose? Maman, je souhaite passer le reste de ma vie avec lui, dans l'entente et la paix. C'est pourquoi tu dois le convaincre d'accepter. Tu viens marier l'épouse de ton frère et tu parles d'entente et de paix? Django, mesures-tu les conséquences de tes propos? Oh, toi aussi, maman. Quelles conséquences? C'est une affaire de famille et le linge sale se lave en famille. Personne ne te dira à laver ce linge ici. Tu as une épouse. Pourquoi veux-tu faire cet affront à ton frère? Maman, tu sais, dans certaines familles, un homme pouvait sauver l'honneur et la dignité de son frère stérile. Oui, car au jeu de la société, un homme ou une femme sans enfant était incomplet. Exact. Aussi, avec l'accord de l'épouse de son frère stérile, il couchait en secret avec cette dernière qui devenait ainsi mère. Ce secret familial permettait au frère stérile et sa femme
d'avoir des enfants et surtout de sauver l'honneur et l'unité de la famille. Maman, je t'en prie, aide-moi à épouser Nakani. Nous aurons plus de bonheur ici. Ce que nous venons de dire n'a rien à voir avec ton cas. Pourquoi insistes-tu? Parce que tous les marabouts et féticières que j'ai consultés désignent Nakani comme l'épouse qui m'apportera amour, bonheur, prospérité et surtout longévité. Ah, dans ce cas, le sujet mérite réflexion. Bonjour. Bonjour Barou, comment tu vas? Je vais très bien bientôt. Et je serai bientôt millionnaire. Barou, comment ça? J'ai reçu ce message par l'internet. Quel message? Écoute bien. Oui. Si vous lisez actuellement ce message, c'est parce que j'ai demandé à Dieu de m'aider à entrer en contact avec une personne responsable à qui je ferai don de tout mon héritage. Bintou, tu comprends? Je comprends. Je suis l'heureux élu. Ah, Barou, je suis très très contente pour toi. Mais qui t'a donné cet héritage? Je ne le connais pas. Je dois envoyer une somme au notaire qui s'occupe de l'affaire et partir à Cotonou pour signer le document. Et après, toucher l'héritage. Ah, Barou! Et ta vie changera alors totalement. Mais bien sûr. Barou. Mais j'ai besoin de ton aide. Hein? Quelle aide attends-tu de moi? Que tu me prêtes de l'argent et je te rembourserai le double. Et tu ajouteras aussi les frais de location que tu me dois. Et bientôt. Bien sûr. Ok. À son retour, Penda ira à la banque faire un retrait sur mon compte. Merci d'avance. Mais combien veux-tu? Vas-tu? J'ai des petits problèmes de santé. Je suis venue payer des médicaments. Pourquoi ne vas-tu pas à la pharmacie au lieu de venir ici? Ignores-tu que ta co-épouse Oumu vend des médicaments? Oumu ne vend pas des médicaments. Elle vend des poisons mortels. Assi, ne l'écoute pas. Certains pharmaciens payent leur stock chez le même fournisseur que moi. Ceux qui le font ont trahi leur serment de pharmacien. Ils ne sont que des vulgaires marfaiteurs. Asta, pourquoi marcelles-tu? Vraiment, c'est le comble de l'égoïsme, quoi. Tu vends des produits pharmaceutiques illicites mal conservés et tu te permets de jouer à la victime, hein? Je ne comprends pas. Assi, je te jure que les produits pharmaceutiques illicites sont dangereux pour la santé. Arrête de les acheter, ça. Asta, tu es jalouse de mes bénéfices que je tire dans ces commerces. Mais, de gré ou de force, tu me ficheras la paix. Je n'ai pas peur des menaces d'une tueuse en série qui profite de l'ignorance de ses semblables pour tuer. Assi, qu'est-ce que tu vas acheter, hein? Tu prends? Non, c'est bon. Thank you.
Nazareth, prends une chaise là. J'ai besoin de toi. Je t'écoute. Nathanaël, pourquoi Boua se plaint-il de toi? Boua tient à ce que je me marie, alors que je n'en ai pas envie. Tu sais, petite sœur, Boua est ton frère. Il ne souhaite que ton bonheur. Djangou, tu sais très bien que le mariage par la force n'apporte jamais le bonheur. Mais le but du mariage, c'est de fonder une famille et d'y vivre heureux avec les enfants fruits de l'union. La vie de célibataire est mieux qu'un mauvais mariage. Comme Boua, je suis ton frère. À ce titre, je dois te dire la vérité. Le langage de la vérité pour vous doit être la protection de votre sœur. Nous te protégerons toujours. C'est pourquoi nous voulons que tu sois heureuse avec ton mari au milieu de tes enfants. Je le souhaite aussi. Mais les hommes que je croise, franchement, ne sont pas de mon goût. Alors je te souhaite de trouver vite un homme à ton goût. Merci. Salut maman. Salut Penda. Ma fille, la vie réserve souvent d'agréables surprises. Que veux-tu dire? Barou a eu un grand héritage. Il deviendra bientôt millionnaire. C'est vraiment bien ça. Je suis très contente pour lui. Vraiment. Mais avant, il doit envoyer une somme au notaire qui s'occupe de l'affaire. Et partir à Cotonou pour signer les documents et toucher son héritage. C'est donc jusqu'au Bénin? Il veut m'emprunter de l'argent et il remboursera le double à son retour. Va à la banque avec mon livret d'épargne. Tu feras un retrait de 300 000 francs CFA. Mais attends, qui lui a donné son héritage? Django, dis-moi, pourquoi veux-tu que Boua se sépare de sa femme afin que tu l'épouses? Parce que je souhaite avoir plus de bonheur ici. Django, pour sauver l'honneur et l'unité de notre famille, je t'en prie, abandonne cette idée. Abandonner? Je ne peux pas. Tu as déjà une épouse. Pourquoi veux-tu faire une telle chose à ton frère? Tu sais, Nantene, tous les féticheurs marabouts que je consulte désigne Nakani comme l'épouse qui m'apportera amour, bonheur, prospérité et surtout longévité. Django, je crains que cette décision n'apporte le malheur ici. Ça ne serait pas le cas. Il a eu le message par internet. Crois-moi, Penda, Barou sera riche. Ou il sera très déçu. Les victimes d'escroquerie sur le net se comptent par milliers. Il m'a montré le message sur une feuille. Des honnêtes gens tombent dans les pièges de ces malfaiteurs qui balancent les messages sur le net. Penda, es-tu sûre de ce que tu avances? De nombreux témoignages de victimes figurent dans les faits divers des journaux. Son histoire d'héritage n'est donc pas vraie? Crois-moi, maman. Oui. Ne lui donne rien, ou tu perdras ton argent pour toujours. Penda! Je dois sortir. Penda, tu viens d'arriver et tu veux ressortir? Hé, hey, maman! Pour une course là. Bouba, prends une chaise. J'ai besoin de toi. Salut maman. Bouba, oui. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton frère? Maman, Django veut que je me sépare de ma femme afin qu'il l'épouse.
Parce qu'ils souhaitent avoir plus de bonheur ici. Maman, penses-tu qu'une telle chose nous apportera plus de bonheur? C'est ce qu'il m'a dit. Il doit abandonner cette idée. Pour l'honneur et l'unité de notre famille. Il dit qu'il ne peut pas abandonner. Pourquoi? Il a déjà une épouse. Pourquoi veut-il prendre la mienne? Parce que s'il l'épouse, elle apportera amour, prospérité, bonheur et surtout longévité ici. Moi, je reste avec ma femme. Le bonheur, la prospérité et surtout la longévité, nous trouverons ici. Tu n'as rien compris. S'il est vrai que je suis ta mère, accepte. Il t'aidera à épouser une autre. Sais-tu pourquoi certaines personnes crèvent la bouche ouverte? Non, je ne sais pas. Dis-le-moi. Parce qu'elles veulent avouer à l'ange de la mort leurs mauvaises actions. Ah bon? Elles ont tellement trop de choses à dire que leur bouche reste ouverte. Mais pourquoi me dis-tu cela? Mamadi, tu ne connais pas la réponse à cette question? Hé, Oumou, je t'interdis de m'insulter. Tu n'as pas le droit de m'insulter. Tu n'avais pas le droit d'interdire les toilettes et de faire de l'abus de pouvoir ici, Mamadi. Mais si tu ne veux pas de mon pouvoir ici, mais tu quittes cette maison. C'est aussi simple comme bonjour. Hé, Mamadi, rassure-toi, très bientôt nous irons vivre dans notre propre maison. Nous porterons des habits de luxe et roulerons désormais en voiture. Et, Oumou.